YouTube Greux, c'est Sean Kazma, j'espère que tu as bien des bacs de retour aujourd'hui, messieurs dames, pour le grand final de cette histoire principale, parce qu'il restera encore des choses derrière. L'épisode spécial des photos secrètes, les DLC, mais aussi l'extension avec Miles Morales. Messieurs dames, on a un petit peu farmé, parce que dans l'épisode précédent, on a tout terminé au niveau secondaire. Enfin, il nous reste les crimes aléatoires qui seront faits en temps, en heure, pour le moment où on a avancé de sorte à récupérer les quelques jetons de crimes manquants pour aller chercher l'avant-dernier costume du jeu de base, la tenue de la dernière chance. Une tenue pour chaque saison. Techniquement, j'ai eu toutes les tenues standards. Donc celle-là, normalement, tu l'obtiens quand t'as le 100%. De ce qu'on m'a expliqué, c'est le speeder qu'elles sont, mais ça devrait bien se passer. Kazma, pour l'épisode final, t'en as pour plus d'une heure. Tranquille. Ah bah cool, bah nickel, parfait. Mais c'est là, c'est tout ce qu'il nous reste à faire. Donc direction le scénarium. Allons boucler tout ça. Allons nous occuper de Tonton Toto. Tonton Toto Octopute. Tonton Toto Octopute qui a pas eu le droit à sa... Comment t'appelles ça? À son rendez-vous pour sa calvasse. Mais comment on appelle ça? Tu sais quand tu plantes des cheveux, je sais pas comment on dit. Tu transplantes? Non, c'est pas ça. Comment tu... Ta greffe. Il a pas eu le droit à son rendez-vous à la greffe et du coup ça le rend ronchon, le monsieur. Ok, MJ, je suis à deux rues pas loin. Dis-moi si t'as des ennuis. Ah, oui, c'est vrai. Mission avec MJ. Merci, Peter. Souhaite-moi bonne chance. Ok, l'appart de Norman se trouve au dernier étage, mais l'ascenseur est verrouillé. Je dois accéder au poste de sécurité pour le rouvrir. Metal MJ solide. C'est parti. Alors, chercher le poste de sécurité. On y va, monsieur. Oui, la greffe, hein. C'est pour ça que Tonton Toto, il est un peu énervé. Bonjour, excusez-moi. Oui, je passe derrière. Voilà, le non-respect. On va poser les vraies questions et on va faire les choses proprement. Excusez-moi, Excusez-moi. Il y a du monde dans le hall. Est-ce que tout va bien? Les résidents ont été priés de libérer leurs appartements. Le temps que Sable International effectue une inspection. Oh, comment ils me saoulent, ces gars-là! Oh là 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 là! C'était tellement bien, enfin, c'était tellement... C'était tellement simple quand c'était juste les démons et les malfrats. Ah, les gars de Sable, déjà, c'était ultra prévisible. Et surtout, genre, c'est pas mon délire, hein. C'est pas mon délire du tout, hein. Ça fait un gros rappel à Saints Row. Et autant dans le bail, ça le faisait plutôt bien. Autant là, pour Spider-Man, je trouve que c'est un peu... Ce garde va me voir. De trop. Les résidents sont sur les nerfs. Tu m'étonnes. Je pourrais jeter de l'huile sur le feu pour faire diversion. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, messieurs, welcome back. Les personnes de TikTok, n'hésitez pas à bombarder les likes. Ou si jamais, faites la transition pour Twitch. Rejoins la commu. Ce sera plus simple. C'est moi ou t'es dans toutes les missions, toi? Dans toutes les missions. Créer une diversion. Voyons voir. On va rendre des gens pas contents. Le jeu, c'est Spider-Man. C'est marqué à l'écran. Faites l'effort. J'ai mis mon inhalateur en haut. Il paraît qu'on a le droit de monter en cas de force majeure. Une urgence médicale, ça devrait passer. C'est vrai? Venez, on va parler à la sécurité. Resident Evil? Vous trouvez que le jeu fait Resident Evil? Ah ouais? Dans quel genre? Hey, Resident Evil, elle est pas mal celle-là. Une urgence médicale, ça peut pas attendre. On me l'avait jamais faite. Oh la vache, je peux plus respirer. Laissez-moi monter. Oula, 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 le monsieur a un vrai problème. À cause du perso? Ah ouais. Je suis pas d'accord. Parce que en termes de superficie de boulard, il me semble que dans Resident Evil, c'est plus gonflé, plus écarté. Là, vraiment, là on parle de géométrie les enfants, hein, c'est des mathématiques. Mais c'est mieux fourni en extérieur, tu vois. Il faut vraiment que ça rebondisse plus, que tu sois plus apte à faire blub. Genre pour moi, MJ, elle est plus... c'est une femme au foyer. C'est une femme douce, une femme capable. C'est métal, MJ, plus solide. Plus on a des chances d'attraper cette saleté. Oh, vous approchez surtout pas du réceptionniste. Il tousse comme un vieux phoque. Oh, MDR, il pue de la gueule, on a dit. On a dit, il pue de la gueule. Osborne n'est pas en barre. Il passe toujours à travers les mailles. Oh là là, on est en train de créer une de ces émeutes. Sont exemptés. La sécurité a laissé monter un de ses plus grands donateurs, sans problème. J'en étais sûr. C'est l'émeute. C'est l'émeute. L'émeute. On est bon là? Parfait. Parfait, parfait. On a un problème. Ah non, mais pourquoi pas, hein. Je m'y attendais pas, le coup de Resident Evil, mais... Si des gens l'ont imaginé, c'est qu'il y a eu un truc qui leur a fait penser à, si tu veux. Voilà, poussez-vous. Ah, non, on peut pas. Sable International a presque fini son inspection. Attends. Là. Parfait. Bien. Metal MJ solide. Ah, il y a des gars de sable. Je continue à couvrir le secteur. Qu'est-ce que c'est? Salut, toi. Oh, un taser. Un agent de sable qui adorerait te rencontrer.
On passe un autre cap, hein. On passe un autre cap. Metal MG Solid V2. Ok. Attends, comment ça fonctionne? Carré derrière un ennemi pour réaliser une élimination silencieuse. Une élimination silencieuse, attention, t'es mort! MDR, il est dead. Il est dead! Il est putain de dead! Il est putain de dead! Spider-Man, il est encore plus violent que Batman! Déjà, Batman, quand il nous disait « Personne ne meurt !» Tu y croyais pas trop, mais alors là? Qu'est-ce que c'était? Voilà. Ok, les enfants. Ok. Je suis sûre que ça offre des primes de risque. Les commandes de l'ascenseur sont dans le poste de sécurité, près de l'agent de sable. Attention. Soy Olive. On lui a pas mis deux doigts, mais ça fait le même effet, hein. Super espionne. Vive le futur. Allons-y. C'est vrai qu'on n'y pense plus trop à elle, mais ce serait bien que ça finisse en combat de boss. Après, Norman quitte les lieux et l'ascenseur est déverrouillé. Après, on se rappelle qu'il y a un DLC sur le chef de sable. Donc il y aura peut-être un truc directement contre elle à ce moment-là. Dans le scénario de base, peut-être pas. C'est déjà passé la galette des rois? Faut savoir que moi j'aime pas la galette des rois parce que la frangipane ça m'excite pas plus que ça. Genre je peux en manger si tu me demandes d'en manger pour bien. Tu vois, mais c'est pas mon truc. Donc je sais même pas que la galette des rois s'était passée. Je sais pas, on est quoi? On est le. Attends, on est le 10 janvier? On est le 8. Voilà, j'ai totalement la notion du temps, c'est pas vrai? C'est bon. C'était quand la galette des rois exactement? Norman et Sable, comme prévu. Trouvez le technicien d'alarme et virez-le. C'est votre mission préférée? Ah ouais? Mais vous savez que vous arrêtez pas de me dire que toutes les missions sont incroyables, donc au bout d'un moment, je sais plus laquelle est au-dessus des autres. Saleté de bouton, inutile. Si tu leur fais une olive avec le taser, ça peut être marrant. Du. C'était à deux jours? Ok. Showtime. Oh. Les appartements de monsieur. La galette, c'est tout le mois de janvier. Vous savez ce qui est tout le mois de janvier? La raclette. La raclette, c'est tout le mois de janvier. La raclette, c'est tout l'hiver. La raclette, ça devrait être officiellement le plat que tu manges tous les mercredis en hiver. Parce que tu peux tout foutre là-dedans. Et surtout, du fromage et des patates. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé une raclette. Oh là 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 là. Les portes sont verrouillées jusqu'à la fin de l'analyse. Attendez. Ok. Je rappelle que Mister Négatif n'a toujours pas été à nouveau arrêté. Donc à tout moment, il nous saute dessus. Surtout qu'on sait qu'il y a un truc qui se tramouille. Hein. Et je rappelle qu'ils sont pas copains, donc si jamais il veut l'attendre dans son penthouse pour se le faire, c'est maintenant. Des revues scientifiques qui dissertent sur le problème Spider-Man. C'est bizarre, cette espèce d'industrie... MJ, sa grouille d'agent de sable au rez-de-chaussée. Je crois qu'il déplace Norman. Une raclette des rois. J'ai peut-être quelque chose à voir là-dedans. Une raclette à la frangipane. Ah, mon cauchemar. Ah non. Une bonne frangipane, on discute. Une bonne frangipane faite maison, faite avec amour, dans une bonne boulangerie au pire. Là on peut discuter. Une frangipane dans le commerce standard, dans tous les intermarchés, Carrefour, Leclerc, Lidl ou quoi, non, c'est pas ouf. Sûrement le jour où Harry est parti en Europe. D'ailleurs, je sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une pub là-dessus en ce moment. Pour tous ceux qui mangent des galettes des rois frangipane, apparemment Lidl a caché des fèves dans seulement un petit nombre de galettes. Et en gros, si vous arrivez à tomber sur la fève, vous vous pointez chez Lidl avec la fève, et en gros vous avez le droit à 1000 euros de course valable sur toute l'année, que vous pouvez utiliser en plusieurs fois, hein. C'est trop cool. 50 fèves, ouais, c'est ça, hein. C'est ça. Ah bah vous l'avez vu passer. C'est un peu cool. Et nous, on aime bien aller chez Ange Boulangerie pour acheter des bulles d'ange. Oh, comment c'est bon. En fait, imagine une chouquette. Moi, je suis pas trop fan des chouquettes parce que je trouve ça triste, tu vois. Et genre, t'as la chouquette et dedans, ils mettent une crème. Et c'est super bon. Donc, la dernière fois, on y est passé. On a pris des petits gâteaux. On a pris nos chouquettes, enfin nos bulles d'ange. On a pris du pain et tout machin. Et en fait, chez Ange Boulangerie, ils font en ce moment... pareil, si tu trouves leurs fèves, alors il y en a 5 à collectionner, ils t'offrent le pain toute l'année.
Ils t'offrent le pain toute l'année. Tu peux te pointer n'importe quand t'as du pain. C'est quoi cette chose? Et ça, je trouve que c'est déjà plus accessible. What the fuck? C'est quoi ça? C'est Ultron! Un plan pour un prototype de masque de combat. Apparemment, il détecte les faiblesses structurelles. C'est Ultron? C'est le bouffon vert? C'est quoi ça? J'essaie de réfléchir par rapport à... What the fuck? What the fuck? Waouh, incroyable ce masque. Il me montre une porte cachée dans le mur. Tiens, tiens, tiens. Je me demande ce qu'il y a derrière. On va aller voir, on va aller voir. C'est trop cool. Le cyber futur. Un prototype bouffonesque. Et bah du coup, si c'est le retour du bouffon vert dans le 2 là, je suis curieux de voir à quoi il va ressembler parce que... Derrière le mur au portrait de famille, un parce que ça peut le faire, mais il faut voir. Qui oserait gâcher des mètres carrés dans un appart à Manhattan. J'espère que la VF sera au rendez-vous aussi. William Dafoe, on t'aime. La VF de William Dafoe serait géniale. Voyons voir. Ça, vous voyez, hein. J'en ai pas parlé comme ça parce que voilà. Mais c'est à ça que pourrait ressembler le Branlix 4000. Et peut-être même qu'à partir de ça, on pourrait travailler sur cette ultime édition dont je vous parlais la dernière fois, à savoir le Branlix 5000. Qui du coup amènerait à un futur où vous serez libéré de toute tension déjà. Parce que vous auriez le temps de faire autre chose pendant qu'on s'occupe de vous. Et à côté de ça, peut-être, je dis bien peut-être, commercialiser ça dans une autre ville que Manhattan. Je pensais à Détroit. Je sais pas ce que vous en pensez. Je me dis d'ici à 2030-35. Allez, on va allonger de 35 à 40, il y a moyen de faire quelque chose de bien. Il va y avoir un méchant bientôt. Ah, sûrement, hein. Sûrement. Ça va nous sauter dessus. Hein. Oh, il y a Harry! Norman fait ses adieux à son fils. Un clavier secret derrière le portrait de famille. Norman doit être fan des films d'espionnage. Alors, c'est un peu cool, mais j'ai pas le code. C'est un peu cool, mais j'ai pas le code. Non, c'est bon? Ok. Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a de ce côté-là? Norman peut revenir d'une minute à l'autre. De ouf! Il faut que je trouve le code de la porte. Alors, voyons voir. Dernier jour d'Harry. Norman a fermé à clé la chambre d'Harry. Il la veut intacte pour quand son fils reviendra d'Europe. J'espère que Harry sera là dans le 2! Oh là 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 là, Harry, tu nous manques! Harry disait que sa mère cuisinait tout le temps. Cette pièce a une odeur de gens riches. Je me demande si tout ce vin provient des vignes de Norman en Bourgogne. Ok, voyons voir. J'avais oublié ça. La famille Osborne a des armoiries. Et une devise. Excusez-nous, hein. Pax in bello. Excusez-nous, hein. Famille royale, hein. Il faut que je m'en souvienne si j'écris un bouquin là-dessus un jour. La ville est en état d'urgence. Mais putain, Norman trouve encore du monde pour lui faire sa lessive et son ménage. C'est immense! Un vrai héros. Immense! Maïe Supeldou! Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent! Ah! Salut papa. Je vais voir le docteur Michaels pour une dernière piqûre avant. Avant le grand voyage. Et si tu me rejoins là-bas, tu peux me rapporter mon journal dans ma chambre? Je voudrais prendre quelques notes le jour J. Enfin. Voilà. Je le dis pas assez souvent, mais. Merci, papa. Pour tout ça. Je t'aime. Waouh. J'avais pas entendu la voix d'Harry depuis des lustres. Il a l'air tellement. Épuisé. Oui. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est quoi cette histoire? Je vais voir dans sa chambre. C'est quoi cette histoire? Il nous fait quoi, Harry? Il a un cancer? Cancer de la prostate? Ah, il a pas l'air bien du tout. Hein. Il a appris que c'était un sorcier. Hein. Là, c'est le petit footing de Hogwarts Legacy. Hein. Il se prépare. Hein. Regardez-moi ça. Norman qui étale sa réussite devant les invités. Comment une photo a été retirée. Je me demande ce qu'il y avait dessus. Tiens, 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 tiens. Attends. Ce serait pas celle en dessous, là? Non? Merci au fait pour le Prime. Hein. Salut Studix. Waouh, Studix à l'ancienne. Waouh, Studix, les enfants, c'est un grand-père sur cette chaîne. Je crois qu'il a connu cette chaîne YouTube. Elle avait même pas 1000 abonnés. Aïe, aïe, aïe. Vous aimez pas les passages avec MJ? Oh, j'aime trop. J'aime trop, c'est trop cool. Attendez, tiens, tiens, tiens. Oh,
mais c'est nous, ça. Un peu stylé. Tellement insouciant. Un peu stylé. La belle époque. Eh, on parlait d'Hogwarts, mais on dirait pas l'acteur qui joue... Ah, putain. Qui joue, je ne l'ai pas, le protagoniste des Animaux Fantastiques. Ah, je l'ai plus. Je sais qu'il y a le mot dragon dans son nom de famille. La chambre d'Harry. Mais c'est verrouillé. Je me demande où Norman a rangé la clé. MDR, à l'ancienne, je t'ai connu avec le DLC d'AC3. Oh la vieillesse! Oh la vieillesse! Oh la vieillesse! Oh l'ancien! Oh l'ancien! J'étais tellement jalouse de la famille d'Harry. Maintenant, il est grand-père, il est à la retraite, le Studix. Enfin, comparé à moi et mon père. Mais tout a changé. Oui, voilà, Norbert Dragono. Mais un faiseur, non? Bizarre, le nom de la quête vient chez moi. Ça s'appelle comme ça? Ah oui! C'est gênant! Ah oui, c'est gênant de fou! Viens chez moi. Bon, par contre, on est à ça du reveal. Je ne trouve pas l'élément pour le reveal, mais on est à ça du reveal. Du reveal de quelque chose d'incroyable et d'effroyable. Bon anniversaire, ma chérie. Désolé, je suis un peu en retard. Le mois a été chargé. Tu me manques, Emily. Aujourd'hui en particulier. J'ai mis Harry... je l'ai envoyé... se faire soigner. On va le sauver. Je te le promets. On n'a pas développé le GR-27 assez vite pour te sauver toi. Mais je ne laisserai pas tomber Harry. Non ! Je touche à rien dans sa chambre pour quand il rentrera. Et c'est toi qui gardes la clé. Je sais que... tu en prendras soin. Minute. Mais non ! Norman a envoyé Harry se faire soigner. Je croyais qu'il était tout seul en Europe. Qu'est-ce que tu nous as caché, Harry ? Mais non ! Il a le cancer des testicules, c'est pour ça le foutre du diable ! Mais non ! Mais c'est pour ça le GR-27 ! Il a genre une espèce de maladie incurable ou je sais pas quoi. Et il a hérité ça de sa mère. Ah, effroyable ! Terminal. Je savais que la mère d'Harry était malade. Mais j'ignorais que c'était génétique. Est-ce qu'Harry s'est fait dépister ? Oh là 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 là. Bah apparemment oui. Oh là là ! Oh là là ! Harry, t'as intérêt à revenir dans le 2. On a intérêt à discuter là. Norman et Otto. Waouh. Ils avaient l'air tellement proches. Il avait tellement de cheveux. Qu'est-ce qui a bien pu gâcher une telle amitié ? La perte des cheveux. La perte des cheveux, c'est toujours la perte des cheveux. Ça peut détruire des hommes, hein. Vous rendez pas compte, mesdames. C'est la fin de toute chose. T'as le moment où tu sais que ça doit arriver. T'as le moment où ça arrive et t'as la rédemption, c'est l'après-coup. Ça fait mal, ça fait mal. Et la rédemption, c'est pas tous les hommes qui l'atteignent. Certains meurent avant la rédemption. Meurent intérieurement. C'est la décadence. C'est la décadence. Il se moquait de lui parce qu'il la surnommait la plus jolie des mamans. Mais il avait peut-être... Ouais. Bingo ! Ça doit être la clé de la chambre d'Harry. Yes. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de garder la clé. Il avait dit à sa femme, c'est toi qui gardes la clé. Oui, bah oui, elle était déjà morte, il parlait de la photo. Oh là 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 là, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ça fait mal aux testicules, leur histoire. Oh là 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 là. La vache. On adorait venir ici se faire des films quand on était gamins, Peter et moi. Rien à voir avec le Queens. Marrant, pour Harry, c'était tout l'inverse. Il voulait toujours aller regarder des dessins animés sur la petite télé dans la cuisine de Tante May. Oh, c'est mignon. Par contre, tu vois, pour des gens riches, je trouve que la télé vaut rien du tout, c'est de la merde. Non, genre vraiment, hein. Le jeu est sorti en 2018, il y avait déjà des télés 4K et c'était l'avancée de la 8K, hein. Genre, vous auriez pu faire une espèce de toile géante qui descend d'en haut et tout machin. Genre, faites des télés honnêtes. Faites des télé RP, parce que là, c'est pas RP du tout. Hein. Rien ne va. Hein. Mais du coup, il est où, notre Harry ? Harry, il est cassé. Harry, il a donné son sang pour le développement du Branlix. C'est grâce à lui ou à cause de lui ? C'est pas pour Harry, ça, quand même. Mais faut croire. Des livres de droit. Harry veut devenir avocat spécialiste de l'environnement, comme sa mère. Ouais,
S'il survit. Pourquoi tu nous as pas dit que t'étais malade? Oh, c'est dur. Le journal d'Harry. Le dernier texte remonte au 18 juillet. Ça doit être ça, le code secret. Attendez, je cherche une date. Ah, 18-7. Oui, c'est la date. C'est la date. Oula. Je dis juste que nous ne devons pas nous précipiter. Nous ? Vous, vous restez là ! Le sérum est prêt et je vais en superviser la production. Vous serez complètement exposé sans moi. Il semblerait que je sois aussi exposé avec vous. J'irai seul. Fin de la discussion. Gardez l'équipe 2 en stand-by. Je vais prendre l'air. Est-ce que c'est à cause de ça, Peter, que Norman va devenir le Norman bouffon vert? Il est en route pour le labo, tu peux le Ou suivre. Ou est-ce que, justement, il va le donner à Harry pris un double et ce matin. Il va devenir le bouffon vert, du coup? Dans tous les cas, qui va devenir le bouffon vert? Alors tiens-toi prêt. Parce que le vrai bouffon vert, c'est Norman Osborn, on est bien d'accord. Hein. Je sais que dans Spider-Man 3, à l'ancienne avec McGuire, Harry devient un semblant de bouffon vert, mais c'est différent encore. On a le taser, est-ce que je peux taser? Souille! Ok, la porte là-bas, même pas. Ah, quoique, attends. Si, on peut tenter. Mais attendez, tout à l'heure on a croisé un casque méca. Non mais attends. Mais je savais pas qu'il allait arriver. Il sort d'où lui? Oui, tout à l'heure on a croisé un casque méca avec intelligence artificielle, Peter, et tout le tralala. Le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo, tu peux le suivre? Je me ferai forcément repérer. Sable, et maintenant ça, c'est la naissance et du bouffon vert. C'est la naissance du bouffon vert. Ok, alors tiens-toi prêt. Je suis sur le point de trouver l'adresse. Souille. Bon bah je voulais faire une annexe, tant pis. Eh merde. Ah, trop proche. Je voulais essayer. Ah. Kazma, c'est quand Become Human? C'est fini, Become Human. Peter, enseignez-vous. Le traitement de Norman est prêt. Il est en route pour le labo. Si vous étiez pas là, c'est pas ma faute. Je me ferais forcément repérer. Sable s'est pris un double expresso ce matin. Six hommes sont en mode service secret ultra vénère. Ok, alors tiens-toi prêt. Je sais que j'ai toujours les nerfs, mais j'aime bien le coup du taser. C'est l'invention des deux doigts. Les deux doigts. Oh. Sorry. Ok. Soy. Metal MJ solide. Tum. Ah, sur YouTube, il y a un épisode tous les jours. Il y a un épisode qui va sortir tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai quasiment tout monté sauf l'épisode 10 parce qu'il y a 2-3 trucs à modifier, parce qu'il y a eu 2-3 problèmes pour l'ultime épisode. Tum tum. En vrai, tu mets un coup de taser là-dedans, c'est terminé, hein. Ok. 18 juillet. Bingo. On est proche de quelque chose de gros. On est proche de quelque chose de gros. Des araignées. Attends, pourquoi des araignées par contre? Reproduire les pouvoirs de Peter ou quoi? Mais oui. Et les noms sur les cages. L'ultra régénérance. Bio électrokinésie. Camouflage optique. Bon sang, qu'est-ce qu'il cherche à créer au juste? Un Spider-Man 2.0. Et là, c'est le drame. Norman Osborn, journal de recherche sur le GR-27. Le projet est en train de nous échapper. Le GR-27 est un remède, pas une maladie. Mais allez dire ça aux journalistes. Ils se sont emparés du surnom que lui ont donné les techniciens, le souffle du diable, et s'en servent pour semer la panique. Ils n'imaginent même pas son véritable potentiel. Il pourrait guérir le cancer, les maladies génétiques, les anomalies congénitales.
génital. En y travaillant encore, je sais qu'on peut le perfectionner. Au lieu de ça, je vais devoir passer les prochains mois à réparer les dégâts médiatiques. Quelle perte de temps. Le souffle du diable n'est pas une maladie. C'est une tentative de traitement. Alors ça, j'en reviens pas. Qui a viré de bord avec les médias, ouais? Les dossiers médicaux d'Harry et Emily. Le GR-27 a été mis au point pour les soigner. Le souffle du diable est un traitement raté pour la famille de Norman. Mais du coup, comment il a fini par sortir ce traitement? Vu que c'était justement pour leur maladie à eux. Comment ça se fait qu'il s'est retrouvé à l'extérieur? Et que le monde l'a partagé, je comprends pas. Attends, je crois que... Ouais, il y a un truc avec la radio, là. Là. Une radio d'enfant. Mais ce n'est ni Harry, ni Emily. C'est Martin Lee. C'est Martin Lee. Cette aura qui l'entoure. C'est Martin Lee. C'est pas Martin Lee. Ah, putain de merde. Ah, putain de merde. Ça y est, on commence à comprendre les bails. Waouh. Norman remporte le concours de la plus belle carte. On dirait l'Upper West Side. Les positions des troupes de sable. Elles sont déployées dans toute la ville. Oh, oui, comment elle me saoule d'ailleurs dans les crimes aléatoires. On peut voir toutes les propriétés d'Oscorp. Je pensais pas qu'ils étaient autant implantés à New York. Mais moi, je pensais pas qu'elle en avait si peu. On dirait que Norman surveille les déplacements du docteur Michaels. Trop malsain. Ouais, ultra malsain. C'est logique. Michaels est en charge du souffle du diable. Je parie que je peux localiser le laboratoire secret avec tout ça. Ça doit être une propriété Oscorp avec une tonne d'agents de sable fréquentés par le docteur Michaels. Attends. On va finir ce qu'il y a autour, parce que j'ai l'impression que ça, c'est la finalité de la phase. C'est un cocon, ça. C'est un cocon, ça. Y'a Harry là-dedans? Y'a Harry là-dedans? Il est enfermé là-dedans depuis le 18 juillet? C'est quoi, ces machins? Ah putain, le bouffon vert. Prototype de grenade. Le bouffon vert. Le bouffon vert, ça y est, on y est. Norman est dans un gros délire de savant fou. Ah mais je peux pas l'ouvrir en fait. Le bouffon vert. Hulk. Ah vous pensez... Ouais non, ça a pas de sens. Non, pour moi ça arrive. Pour moi ça arrive. Hein. Putain mais c'est quoi ce truc? J'ai envie de l'ouvrir. Enfin on peut pas mais j'ai envie de l'ouvrir. Ça bouge pas chez le docteur Van Adder. Le docteur Michaels dirige l'équipe du souffle du diable. Bâtiment commerce. Waouh. Tous ces bâtiments d'archives. Oscorp se... Non. Un bâtiment d'archives, ce serait... Bravo. Et là, ça doit être l'équipe C. Cette bonne vieille équipe Alpha. Le laboratoire secret doit être entouré d'agents de sable. Un bâtiment Oscorp, mais sans Michaels et sans sable. GR-27. C'est bon là. C'est bon là. Le souffle du diable. Eureka. La dixième... Let's go. Générale. Ce serait pas... Tu veux pas ouvrir le conteneur à côté? Je le savais. 10e et cathédrale, le service des archives d'Oscorp. C'est l'endroit idéal pour planquer un laboratoire secret. GR-27, incident Martin Lee. Qu'est-ce que c'est? Moteur, ça tourne et action. Je serai juste à côté. Maintenant, détends-toi et laisse le médicament faire effet. Je croyais que c'était une simple consultation. Le petit semblait prêt. Je vais l'aider. Non, arrête. C'est trop tard. Arrêtez ça. Norman et Otto. À l'origine de tout ça, ils ont créé Lee. Il faut que je prenne ça. Quoi? Non! Qui est là? Oh non. Non. Allez.
À noter que cette nana est quand même un peu trop impliquée. Pour des raisons qui sont encore obscures. Bon sang. Ah, l'angoisse! Ah, l'angoisse! On a une intrusion, alerte maximum. Ah, les araignées, ah, les araignées. Je suis pas arachnophobe, hein. Mais au-delà d'une certaine taille, faut arrêter de déconner. Attendez. Et plein d'autres trucs. T'es à quelle distance? Y'a beaucoup de choses, là. Y'a beaucoup de choses. Deux avenues. Tu me fais signe et je débarque. Super, reste dans les starting blocks. Mais y'a beaucoup de choses. Attendez, parce que c'est à la fois annonceur du bouffon vert, peut-être d'autres choses à condition que ça parte de là, mais... Genre, y'a Venom, les bails. Enfin, c'est pas Venom directement, parce que Venom, c'est une souche extraterrestre qui a pris vie et qui a pris possession d'un bail. Mais il y a des araignées noires et tout avec des signes rouges sur eux, c'est trop bizarre. Et bah putain, Martin Lee, le patient zéro, qui a été ausculté du coup par Enorman et Otto, et qui a fait péter ses parents de lui-même. Oh la vache, oh le sale bail. Ok, on se casse. On se casse. Surveillez vos arrières, soyez prêts à l'affronter. On se casse si fort. Par contre, ça fait des va-et-vient, hein. Je retourne dans l'appartement, là. Ça s'en va et ça revient. Quelqu'un m'a vu. Juste d'un petit rien. Aïe, 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 Starfoula. Venom, c'est un symbiote. Oui, mais voilà. Venom, c'est un délire de souche extraterrestre. Donc, c'est pas lui. Mais du coup, c'est quoi ces araignées noires? Moi, c'est ça que j'ai pas compris. Il y a un bail avec ça. Oh! C'est peut-être... Je suis con, c'est peut-être le déclenchement de Miles Morales, en fait. Je suis un trou de balle, c'est peut-être juste le déclenchement de Miles Morales. Non! Merde! Ah, j'ai réagi genre une seconde trop tard. Mais je me suis fait avoir, il y avait un gars près du canapé. Ah, mais je suis trop con, oui, j'oublie qu'il y a Miles Morales. Mais oui, tout simplement. Les araignées noires, ça existe de base. Oui, mais là, c'était une araignée noire avec un symbole rouge. Mais elles étaient trop petites, on les a pas vues. Mais oui, je suis trop con. Il a parlé de souches qui rendent invisibles et qui permettent de faire genre de l'électricité. On m'avait dit que c'était les pouvoirs de Miles, simplement. En fait, genre, elles se sont échappées. Et à un moment, elles vont entrer en contact avec Miles, en fait. Et là, c'est la catastrophe. Là, c'est la Miles-tastrophe. Mais c'est stylé. C'est stylé. Oh, oh. Cassos. Bien joué! Peter, t'es là? Je suis à l'angle de l'ex. MJ, ça va? Ça ira dans quelques secondes. À l'angle nord-ouest. Oh oh. Elle est quand même pas discrète, la dame. Hein. Elle est quand même pas discrète. Un petit masque, ce serait pas de refus. Hein. T'es prêt? Parce que là, ils vont nous retrouver. Hein. Attends, fais pas ça! C'est trop tard. Ah! Vas-y. Non! Elle nous refait une Amazing Spider-Man 2! Victoire! Youh! T'es vraiment cinglé. C'est un 3 points. C'est incroyable. Putain, ce beau gosse. Il y a tellement de trucs à intégrer. Harry malade, Norman, Ellie... Et Docteur Octavius. Je sais. C'était de ma faute. Change de disque un peu. C'est fini, Peter. T'es plus tout seul. Miles et moi, on prend soin de Fist. Toi, tu trouves Norman. Tu trouves leur med. Merci. Partenaire. Et bingo! Pour moi, on est en plein dedans. Hein. Parce qu'il n'y a pas d'explication logique au-delà de ça que Miles soit devenu la prochaine araignée en fait. Cet antisérum, pour moi, c'est canon. Pour moi, c'est expliqué. Pour moi, c'est logique. Bah, on est niveau 51, les enfants. Mais cette histoire de vengeance. Techniquement. Tellement de trucs bien pour l'humanité.
Ils peuvent pas jeter tout ça aux orties, juste pour Norman. Alors, on changera de costume bon, pour la prochaine mission, pas forcément celle-là. Parce qu'on n'a pas encore eu l'occasion de la voir en action, celle-là. Elle est vraiment cool en... Oui. En cinématique. Je sais pas quelle tenue on va prendre par contre pour le final. Moi j'hésite. J'aurais bien envie de prendre Suckman. Maintenant, à voir. À voir. La dixième et cathédrale. Pour moi c'est pas Venom. Pour moi c'est clairement pas Venom. On vient de me signaler un accident d'hélicoptère dans cette zone. Oh non. On dirait l'hélicoptère de Norman. Je voudrais bien vous envoyer des agents, mais je n'en ai aucun. Pas de soucis, je gère. Ce sera bientôt fini, promis. Ok, c'est bon, je peux me TP? Allez, TP. Oh là 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 là, tellement de reveal en une seule et même mission, c'était la meilleure partie avec MJ, hein. Meilleure partie, hein. Vous voulez qu'on remette la tenue classique pour le grand final? Ouais, pourquoi pas, hein. C'est un peu symbolique en soi. Moi, vous me dites, hein. Yahoo! Pour l'instant, allons jouer avec celle-là. N'empêche, grosse mission, hein. Gros morceau avec MJ. Et effectivement, on aura largement passé l'heure. Zerbardi! Mystère négatif. Ouvrez. Oh, cette finalité. Ok, ils ont Je Norman. Je dois m'occuper de ces démons avant de suivre Oli dans le labo. Je vais mettre ces snipers. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, ça va bien se passer, Michelin. Ouais, bah je suis bien content qu'on mette ce costume dans cet épisode. Yahoo! Déjà parce qu'il est très 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 cool. Et puis surtout parce que comme ça, c'est la complétion. On aura vu tous les costumes pendant le scénar. Yahoo! Non, mais je vais où là? Mais là! Putain de ta race! Oh mais non! Mais non! Aïe aïe aïe, mais oui, mais il est dans un truc détruit aussi, ça compte même pas, je pouvais même pas l'atteindre. À l'aide, à l'aide, à l'aide. Ah, bon d'accord, allez viens là toi. Ouya. Mais toi là, ah ça y est, t'es mort pour de vrai. Je dois pas perdre de temps avec ces démons. Oh, bah, je dois pas perdre de temps, je dois pas perdre de temps, t'es mignon. Ouya. Ok. Showtime. Ok, ça c'est fait. Norman, partez immédiatement. Mes hommes contrôlent la situation. Mais nique-toi, toi, tu m'as embrouillé pendant 8 heures. Stacy, vos hommes ne contrôlent rien du tout. Non mais genre, attendez, attendez. C'est la lieutenant Sable qui vient me voir et qui me dit partez, on gère. Mais meuf, oh, y a tes crimes là. Y'a tes crimes là, hein. C'est pas moi la saloperie dans cette histoire, hein. Moi j'ai essayé de marcher droit tout du long, hein. J'ai essayé d'arrêter le foutre du diable, qui est en partie mon invention, parce que les araignées, mais pour le reste, nique-toi en fait. Mais elle est pas bien, elle. Elle a du sable dans les yeux. MDR. Mais allez vous faire voir. Allez, tu la fermes. Toi, tu la fermes aussi. Voilà, c'est du vu et revu. Ils sont où les sables? Ils sont où les... Putain, ouais, mais ils sont un par un, en fait. Le problème, c'est ça, c'est que tu peux pas combo proprement. Arrêtez-vous deux secondes. Bouya. Allez. Rage impitoyable. Ah, je l'ai jamais essayé, celui-là. Merde, je pensais que c'était la concentration de combat. C'est genre maxi attaque. Ça fait quoi exactement? Ça doit faire des dégâts de fou. Les ennemis ne peuvent plus parer ni interrompre vos attaques, même avec un bouclier. Oh, let's go. Oh, let's go. Ah oui, c'est bourrin style. Oh, c'est bourrin style. Ok. Qui l'autre? Toi. C'est bon. C'est bon. Ah non, 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 non. Si seulement ça, vous pouvez marcher la grave. On ferait bosser main dans la main. Ouais, y'a peu de chance, hein. Je rappelle qu'il y a encore un DLC, hein. Je vais chercher Lee à l'intérieur. Sur la dame en question, hein. Moi, je m'attends à une fight contre elle, hein. Et j'espère lui régler son compte pour de vrai.
Oh, comment elle me gave, cette Nénette. Comment elle me gave, je ne l'aime pas. Même en termes de charisme, je ne l'aime pas. Je sais que vous êtes beaucoup à la kiffer, oh, c'est tellement pas mon cas. Pourquoi c'est si lourd? Aïe aïe aïe, ça y est, là-bas là. Vous on discute là mes hommes. Détruis mon équipement et fais perdre des millions à mon client. Donnez-moi une seule bonne raison de ne pas vous tuer sur le champ. Écoutez, je ne vous aime pas, vous ne m'aimez pas. Mais Lee détient votre client dans ce bâtiment et il va le tuer si on n'agit pas rapidement. On peut s'affronter ou affronter Lee, mais pas les deux. Ça veut dire qu'on est cool ? Vous allez m'aider à récupérer Norman. Après ça, je ne vous promets rien. Ça me convient. Lee est hors de contrôle. Allez sauver Osborn. Je vais leur parler. Bien, les amis. Il y a tellement d'équipes de méchants, ça ressemble plus à rien. Ça a assez duré. Aïe, aïe, aïe. C'est la folie, ce truc. Je dois trouver un moyen de parler au Martin Lee que je connais. Attendez. Qui a bâti le centre Fist. Attendez, Chancel est où, du coup? Ah, vers le bas. Ok, par là. Là, 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 lâche. Non, lâche. Merci. Oh, c'est un joyeux bordel. Oh, c'est un joyeux bordel. Martin ? Martin, Martin ? Piquez une tête. T'es là ? Il est là. Et à mon avis, il est pas content de me retrouver. Ça ne concerne que moi et Osborn. Oh, ce bordel chaotique. Je sais ce qui est arrivé à vos parents. L'accident ? Tu es aussi insensible qu'Osborn. T'es où ? T'es là ! Mes parents sont morts à cause de moi ! À cause de ce que m'a fait Osborn ! Votre passé ne vous définit pas ! Ne laissez pas vous contrôler ! Je me suis donné tellement de mal pour que mes parents soient fiers ! Pour faire honneur à leur mémoire ! Attendez, on me dit dans le chat, la tenue négative dans ce combat contre Lee, c'est du miel? Ah ouais? Bah attendez, juste pour vous. Attendez, non, c'est pas celle-là. Celle-là! Ah, voilà. Mais pour véritablement leur faire honneur, Osborn doit être châtié! Je ne vous laisserai pas faire ça, Martin! Tout ce qu'il a construit, tout ça pour le détruire d'un seul coup! Ah non, c'est chaud! Surtout qu'il était apprécié, Monsieur Lee! On t'aime, Monsieur Lee. C'est la douleur et la colère qui alimentent son pouvoir. C'était bien. Oula. 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 Qu'est-ce qui se passe? C'est le seul échantillon. Non! Non! Martin! Je te l'ai dit, je suis désolé. C'était un accident. J'essayais de t'aider. Vous n'aidez personne. Vous les exploitez. Ça ne ramènera pas vos parents. Pourquoi tu tiens tellement à sauver cette sale pourriture? C'est vous que j'essaie de sauver, Martin. Ne laissez pas la haine gagner. Résistez! Ah!
C'est maintenant. Bien sûr que c'est maintenant. Ok, changement de flow, messieurs dames. On revient à la tenue de Motar. On va prendre le vrai costume qui fait la différence, la concentration de combat, c'est tout bon pour moi. Allez, showtime. Osborne doit être puni. Ah, da. C'est dommage, hein. C'était une bonne personne avant, hein. Et pour ça, vous devez arrêter tout de suite. Est-ce qu'il s'en bat pas les couilles? Il s'en bat les couilles. Soy. On est niveau max, Martin. Rien ne peut nous arrêter. Et tu as de la chance. Je n'ai pas équipé mon speeder caleçon. Alors là, ça aurait été terminado pour toi. Oh yes, il redevient Martin Lee. Incroyable. Ouya. Soy, ça touche. Ok. Soy. Allez. Soy. Yahoo. Ah merde, ça a pas touché. Là. Oui. Ce n'est pas vous. Allez. Exactement, j'y suis. It's on time. C'est vrai qu'on l'a jamais fait celle-là. Ok. On connaît. Il réutilise des choses qu'on a déjà vues, hein. Ah. J'essaye. Non, il s'en bat les couilles. Faut juste qu'on fasse attention, hein. Il a une variante, voilà, c'est ça. Maintenant. Allez. En fait, il y a un moment, il s'épuise. Il a plus de lithium. Il veut du foutre à la source. Du foutre du diable à la source. Aïe. GR27 égale foutre du diable. Foutre du diable égale naissance de Martin Lee. Martin Lee égale Mister Négatif. Mister Négatif égale le mal. Les ténèbres égale la calvasse. La calvasse égale la Turquie. La Turquie égale la chauvance. La technologie, la recherche, la médecine. Docteur Octopus. Wouhou. Battez-vous, Martin! Vous pouvez vous en sortir! Non! Osborne doit souffrir! Eh ben, ça aura mis du temps, mais on peut enfin prouver avec ce combat que Mister Négative et Martin Lee sont la même personne, bravo. C'est vrai que ça aura mis du temps, mais jusqu'à présent, on les avait jamais vus dans la même pièce. Bravo. Bon, ça va être bien. Voyons voir. Des tas de problèmes. Démon, Martin. Battre le démon. Ada. Ok, c'est la même, sauf qu'il y a des tas de problèmes. Non. Tu te calmes, je fais que des choses pas bien. Allez. Wouh. Oula. Ah, da. Ça touche. Allez. Vous savez à quoi ça me fait penser? Comment il s'appelle? Ra's al Ghul. On dirait pas un peu Ra's al Ghul? Soy. Allez, ça touche. Osborne et toi partagerez le même tombeau. First try. Dans tous les cas, first try. Oula. Wouh. Allez. Bouya. Ça suffit. Tout ça sera bientôt terminé. Oh. Ouais, non. C'est bon. Nimbo. Changement de costume. Par le pouvoir du flow charismatique et incroyable, Sockman, le seul capable d'en finir. Multiclonage. Qu'est-ce qu'il fait? Ma volonté est plus forte que la tienne. Ça, c'est ce qu'on va voir. Non. Sockman style. Il est presque KO. Allez. Oh là. Par le pouvoir des bras robots, par le pouvoir de tous les pouvoirs que j'ai.
Soy! Suckman au max! Suckman au max! La max de Suckman, messieurs dames! Aïe 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 aïe! Ça pique! On va lui mettre 28 coups! Les 28 coups! Les 28 coups du bullshit! Soy! 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 J'évolue! J'évolue! À vue d'œil! Oulala! 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 C'est comme les bons shonen! Le héros, il évolue toujours à la fin! Yahoo! Bouillard! Suckman! Coup de pied de Suckman! Le meilleur costume pour la meilleure scène! Osborne, il doit payer. Je sais. Mais pas de cette façon, Martin. Oh, forcément. Incapable. Lui aussi, il veut le foutre à la source, salaud! Ces moves, cette finesse, ce flow, cette agilité! Ah! Ah! Ouh! Ça fait mal! Ouch. Aïe. Excusez-moi, est-ce qu'on peut discuter? Ah, merci. Ah, ça pique. Ah, ça pique. Non! Ne fais pas ça! Pas le foutre du diable! Otto? Tu en fais une tête. Si tu savais à quel point ça me rend heureux. Prêt à faire ta sortie ? Suckman est vaincu. Si Suckman ne peut pas y arriver, qui y arrivera ? Hé! Hey. Hé! Hey. Oui, Otto. Parti. Il y a plus urgent pour l'instant. Il faut l'emmener à l'hôpital. Non, pas à l'hôpital. Au fist. Il me faut deux doigts. Il me faut deux doigts. Rallumez-moi de l'intérieur. Je veux parler au médecin en chef. Y a pas de médecin ici. Qui dirige ce centre? On va dire que c'est moi. Ah, d'accord. Ça fait longtemps, mais je dois pouvoir le soigner. Trouve-moi des masques, des gants, de tout okay. Ce que tu as de stérile. Merci. Remerciez-moi en restant en vie. Oh mon Dieu.
Ça va. Mais il doit se reposer. Hé hey, vas-y doucement. Où est May? Attendez, vraie question, où est May? Oh non. Oh non. Non. Pile avant la fin, les salauds, non. Ils disent qu'elle n'en a plus pour très longtemps. Non. Où est-ce que tu vas? Je dois retrouver Otto. C'est lui qui a le sérum. Je sais pas si je peux le battre. Peut-être pas. Peut-être que Spider-Man a besoin de son ami Peter. Quoi? Peter a travaillé sur ses bras, pas vrai? Alors il doit connaître leurs points faibles. Un grand pouvoir implique un autre masque, un autre sac poubelle. On a vomi dans celui-là. Ah, oh, ça pue la mort là-dedans. Ad deum, ad deum. Le multivers existe, le multivers existe. Et dans ce multivers, cette araignée va s'en prendre un nouvel antagoniste. Protagoniste. Oh oui, mais c'est sûr, mais c'est sûr. Voyons voir. Regardez-moi ce teasing. Non. Pas ça non plus. Peut-être celle-là. Non. Aïe! Il n'est pas arachnophobe. Oh mon dieu, l'héritage. Le véritable héritage. Aïe, 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 aïe. Bon. Blablabla. On refait la façade. Voyons voir. J'ai mal. Je souffre. Je suis RP, mais pas tous les jours. J'ai conçu l'interface neurale. Je dois donc pouvoir la détruire. Il y a certainement tout ce qu'il faut pour ça au labo. On y va, messieurs dames. D'après ce qu'on m'a dit dans le chat, il restait 3 missions avant qu'on engage cet épisode. Techniquement, c'est la mission finale. Ça veut dire... Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Ce teasing pour Miles. Ah, c'est un peu cool quand même. Hein. C'est un peu beaucoup très cool. Alors attendez, parce que j'ai mis ce costume pour rigoler, mais plus sérieusement... On conclut l'aventure avec le costume de base du coup. On est tous d'accord avec ça, le costume Vanilla. Aïe, 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 aïe. Ah, j'ai mal au fiac. En même temps, j'ai bien envie de mettre le costume troué, hein. Parce que ça aurait proposé une vraie évolution de tout ce bordel. Dans les jeux Batman, c'est quand même cool parce que le costume de base se détériore avec le temps et du coup, tu vois la progression. Oui, oui, oui. Alors, des oui veulent pas dire grand chose. Costume de base ou costume détérioré? Je dois changer mon numéro. De ouf! Tout le monde le connaît. Les récents événements m'ont donné à penser. Pouvoir sauver Osborne malgré sa haine, ça m'a touché. Je dois rentrer chez moi et réfléchir à la voie que j'ai choisi de suivre. Merde! Je crois que vous allez me manquer, vous et votre troupe de la mort. Hélas, les troupes de la mort restent. Contrairement oh non. À moi, ils ne se posent pas de questions. Et Osborne continue à payer. Désolé. Ça a failli être une bonne nouvelle. Je sais. Bon, au moins, ça explique le pourquoi, du comment, tout ça. Avertissement, c'est votre dernière chance de procéder à des améliorations dans la conclusion de l'histoire. Vous et votre aide est très Spider-Man. J'espère qu'on se reverra. Cette femme est vraiment bizarre. De la guerre, bien la paix. Messieurs, dames, on n'a pas besoin de plus, hein. On est niveau 51 techniquement, même si le jeu s'arrête à 50. On a fait toutes les upgrades, on a tous les pouvoirs ou presque, en sachant que 2 ou 3 trucs n'ont pas encore été déverrouillés, mais ils le seront en temps, en heure, en tout cas, quand on engagera le DLC, ce sera le cas, enfin les DLC. On en est à 93% de progression, mais on a dit que les crimes et malfrats comptaient dans ce 100%, donc ils seront à faire prochainement. On a encore les photos secrètes aussi, donc vous inquiétez pas, c'est pas totalement la fin de cette aventure, il reste bien des choses à faire derrière. Just, Peter, Connor, Parker, Donald Renew, beaucoup de gens derrière ce masque, il y a même un peu de vomi entre deux gencives. Mais Yark, c'est parti, messieurs dames. On a fait un miracle, docteur.
Mais maintenant, je dois le détruire. Non! Avec une de mes petites créations. Non! Le futur doit exister avec le Branlix! Non! Peter, arrête! Non! Le KCU a besoin de ce Branlix! Même si tu penses le détruire, il en restera dans la nature! Ils évoluent, what the fuck? What the fuck? Sexuellement parlant, c'est pas mal quand même. Oh, c'est bien. Oh, c'est bien plus plus. Oh là là. Attends, mais c'est un max, hein. L'octo-costume incroyable! Oh oh oh. Une fois de plus, nous avons des images du maire Osborne en direct, retenu en otage sur le toit de la tour Osco. Tu veux que je te supplie? C'est hors de question! Le monde saura la vérité avant qu'on ne ramasse tes restes sur le trottoir. Ah ah. Dis-leur ce que tu as fait. Jamais! Ah. Toute ta vie repose sur des mensonges! Des mensonges! Ah ah. Tu as volé ma société, mes idées. Dis-leur la vérité. La vérité. D'accord. La vérité, c'est que depuis que tu ne travailles plus pour moi, tu ne vaux plus rien. La vérité, c'est que tu n'as jamais accepté que je sois meilleur que toi. Tu es minable, Otto. Et ça ne changera jamais. La justice arrive. Tant qu'il n'y a pas de miroir, je gagne. Ce soir, je bats toutes mes peurs. Donnez-moi le sérum. Otto. Ah, des grosses papas. Votre but a toujours été d'aider les autres. S'il vous plaît. Tu te trompes d'adversaire. Mais c'est ton choix. L'arachnophobe est de retour. Aïe. Pas de toi, père. Et il prend cher. Alors attendez, deux petites secondes. D'accord, bon c'est pas plus mal. On verra à la fin ce que le jeu me dit, mais il n'y avait pas d'emplacement pour ce costume. Donc en fait, il y a un costume qui a popé de nulle part, il est magnifique. Je suis très content, c'est parfait. Ah, j'ai pas le droit de changer de pouvoir. Eh ben, c'est pas plus mal que j'ai la concentration je de combat. Soy! 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 Oh le bâtard! Oh le bâtard! Octo-octoput! Oh oh! Qu'est-ce qu'il fait? Non! Tu ne mourras pas comme ça! Ce soir, je bats mes craintes et mes peurs! Toutes mes frayeurs, toutes mes phobies! Je suis arachnophobe de naissance et pourtant, je n'aurais pas peur de fracasser la plus grosse araignée que cette histoire n'ait jamais vue! Wouhou! Alors, vraie question, qu'est-ce qui peut arrêter la bait? L'arrêter slash le ralentir! Vous avez fait assez la toile de base, hein. La toile de base, ça fonctionne, j'ai l'impression, hein. Il finit toujours par rebondir! Allez! Je veux qu'il perde! Ravitaillement, c'est quoi ravitaillement? C'est quoi ravitaillement? Je comprends pas, il se passe quoi avec ravitaillement? Je comprends pas mon pouvoir. Deux secondes. Oui, alors oui, attendez, je viens de remarquer, c'est pas mon pouvoir de base. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, remplit continuellement la réserve de gadgets. Oh, c'est pas mal. Alors, c'est pas mal, mais c'est pas ce que je voulais. Arrête-toi!
Ah, mais quel bordel! Oh, c'est fouillis quand même, hein! Oh, c'est fouillis, hein! Je vois que tu as un nouveau costume! Allez, allez! Je connais vos points faibles! Let's go! Je n'ai aucun point faible! Fini de jouer! Ok, ok, qu'est-ce qui se passe? Round 2! My! Je fais quoi? Ok, les tours! Oh l'enfoiré! Oh l'enfoiré! Arrête-toi! 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 T'es vachement énervé quand même! Ok, j'ai compris! Là! Là! Oh, c'est le bordel! C'est tellement le bordel! Ok, on y retourne! Aïe! Les gens vont mourir! Il leur faut le sérum! Et vite! Je soignerai la ville une fois que j'aurai terrassé Osborn! MDR! Allez! Au psychopathe! Aïe, 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 aïe! Ouh, que c'est compliqué de comprendre ce qui se passe! Que c'est compliqué! Aïe! Laissez-moi mais vas-y, mais fais-moi des trucs, je te dirai rien! On fera ce que vous voudrez! Je sais déjà! Oh là là, je ne comprends rien, je ne comprends rien! Avant que je ne te fasse vraiment mal! Allez! Donnez-moi le sérum! Et je vous promets qu'Osborn sera jugé! Mais. Non mais stop! Stop! Arrête-toi! Allez! Putain, je vois flou! Ah, c'est terrible! Dites-moi où est passé l'homme qui voulait aider les autres! L'avortant! Ce loser! Il est parti! Allez! Maintenant! Ça suffit! C'est bon! Ah, mon dieu! Oh, oh, la scène est cool, hein, mais quel bordel! Oh non, je suis désolé, c'est ultra fouillis! Soy! Allez, maintenant! Round 2! Qu'est-ce que tu... C'est difficile. Je suis tellement déçu. Oh oh. Parker. Il savait. Depuis le début, il savait. J'ai essayé de te prévenir, Peter. Mais tu ne m'as pas écouté. Vous le saviez! Je te laisserai pas gagner! C'est bien trop important pour moi! Ça l'est encore plus pour moi! Encore plus! Ce moment. Oh, ça, j'aime bien! Tu ne comprendras jamais! Allez, 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 allez! Ouh! Quel enfoiré! Ah, la mise en scène, elle est top, hein! Là-dessus, j'ai rien à dire! Mais par contre, la première partie, elle était ultra fouillie! Allez! Aïe, 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 aïe! Le cancer me revient, je répète, le cancer me revient! Tracasse-le! Tracasse-le! Voilà! Soy! Plus de gadgets! Mais lance-toi, ils sont morts! Tout il est mort! Tout il est fichu! Maintenant on vise la tête! Soy! Comme Mbappé! Voilà! S'il vous plaît, pensez à l'homme que vous étiez! Cet homme n'est plus. Tu ne peux pas me sauver, Peter.
Dans ce cas, vous devrez vous sauver tout seul. Il y a notre costume en dessous. J'adore. Par contre, le détail là. Oh là 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 là. Mise en scène de dingue. Aïe 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 aïe. Vous étiez mon héros. Allez. Vous êtes tellement pour moi. La paume du soleil. Dans le creux de mes poings. Je déteste que vous me forciez à faire ça. Les 28 coups de poing du soleil. Vous et moi, on allait changer de monde. Le Brolix, c'était tout. Le futur Détroit. Le KCU, vous allez tout détruire. Le Brolix doit exister. Tu as l'air fatigué, Parker. Pas fatigué. Juste meurtri. Attends, arrêtez. Voici ta dernière leçon, Peter. Si tu veux changer le monde, tu dois être un homme capable de prendre les décisions les plus difficiles. Je suis entièrement d'accord. L'antisérum. Sauve-le, sauve-le. Octoput. L'attrape pas par les cheveux, mauvaise idée. Peter, tu étais un fils pour moi. J'aurais dû savoir que tu me trahirais. Exactement comme tous les autres. Trahir ? Trahir ? Je vous admirais ! Votre esprit, votre idéal, votre envie d'aider les autres, votre détermination ! C'est parce que les gens comme nous ont le devoir, la responsabilité, de mettre leur talent au service d'autrui, même s'ils ne l'apprécient pas. Nous devons faire ce qu'il y a de mieux pour ceux qui nous sont inférieurs, même quand ils refusent de comprendre. Non, c'est faux! Vous étiez tout ce que je rêvais d'être! Et vous avez tout gâché! Oui, c'est vrai. Tu as raison, Peter. Ah, je le vois enfin. L'interface neurale a changé mon esprit. Mais je peux y remédier. Nous pouvons y remédier. Ensemble. Il faut que tu m'aides. Je vous trouverai de l'aide. Parmi les meilleurs médecins. Non ! S'ils me mettent en prison, ils prendront mes bras. Ah, je serai piégé dans ce corps inutile. Je t'en prie, Peter. Ce n'était pas moi. Tu m'as dit que tu ne m'abandonnerais pas. Tu me l'as promis. Je te souviens. Et en échange, je peux te jurer que ton petit secret restera entre nous. Faites ce qui vous semble juste. C'est la seule chose à faire. Peter ? Même quand ça nous fait du mal. Peter, où est-ce que tu vas ? Peter ! Peter ! C'est des cellules de N-Spinner. Waouh. Non ! Tante May ! J'avais oublié !
Il est viable. Mais il nous faut tout l'échantillon pour produire plus de doses. Est-ce que ce sera long ? Quelques heures, une journée. Et si on soignait quelqu'un maintenant ? Il ne resterait pas assez pour les autres. Je vous laisse un instant. Vous allez guérir, madame. J'ai apporté l'antidote. Tu veux pas lui dire la vérité avant qu'elle canne ? Je veux voir mon neveu. Elle savait ! Depuis quand ? Depuis quand ? Tu savais ? Tu ne peux pas mentir à ta maman ! Depuis longtemps déjà. Ah, je vais chialer ! Je voulais pas que tu sois inquiète. Ah non, je vais chialer ! Ah, c'est trop ! Mais je suis tellement fière de toi. Et Ben l'aurait été aussi. Tante Mel est level 70. Je sais pas quoi faire. Si, tu le sais. Ah! Ah, cette conclusion difficile mais nécessaire. Ah, t'as chié, toi. T'as chié de fou. Hein. Eh, me regarde pas comme ça, j'ai rien fait, moi. Alors ? Salut, Mary Jane Watson, rédactrice adjointe. Eh, hey, bravo ! Merci. Je savais que t'y arriverais. Et toi, alors ? T'as trouvé un job ? Ah, non, mais... Je suis à vous tout de suite, merci. J'envisage sérieusement de changer de branche. Hmm? Ouais, je crois que je vais devenir cuisinier. Désolée, c'est que... tu es un scientifique et tu es doué. Le dernier projet sur lequel j'ai travaillé a créé un monstre à huit pattes qui a failli détruire la ville, alors... Ouais. Et puis, ton poulet au curry est digne d'un restaurant. C'est clair. Et je travaille encore mes boulettes. Tu vas camper ? Ah, non, mon nouvel appart sera pas prêt avant une semaine, alors je vais squatter chez Miles quelques nuits. Ah.
Sinon, tu peux aussi dormir chez moi. Enfin, si tu veux. Non, enfin je veux dire, oui, parce que... Je dis pas que j'en ai pas envie, hein. En fait je trouverais même ça super, mais... Tu veux bien ? J'en ai toujours eu envie. Elle va goûter au foutre du diable ! Ouah ! Ça doublon ! Oh oui ! Oh cette conclusion ! Bravo ! Ah bah ce soir au menu c'est foutre du diable, hein. C'est 28 coups ce soir, messieurs dames ! Pa 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 ! Une histoire en 28 coups ? Bon, et bah c'est une première conclusion. Alors, le chat m'a prévenu les enfants, apparemment il y a deux scènes post-crédit dignes d'un Marvel. Probablement un teasing pour Miles Morales. Il nous reste encore 3 DLC à voir, messieurs dames. Un épisode spécial pour les photos secrètes qu'on fera avec Solus, parce qu'il faut pas déconner. C'est une fin d'aventure principale, bravo. Bravo, merci à tous. Ah, c'était bien, hein. Ah, c'était bien. C'est quand même le jeu Spider-Man qui a la prétention d'être le meilleur jeu Spider-Man. Il est pas exempt de défauts, on se met bien d'accord là-dessus, les enfants. Une mise en scène, un scénario, des graphismes, des personnages, une écriture, des doublages, des skins, des costumes, des quêtes aussi très 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 cool. Mais qu'on se mette bien d'accord, pour moi le jeu, il lui manque un truc pour faire la différence. Merci d'avoir suivi cette aventure de base. Je sais pas si tout le monde ici va nous suivre pour les DLC et pour l'extension avec Miles Morales. Il nous reste encore bien des choses à voir. Mais je suis très content. Je suis très content, c'est une belle conclusion. C'était bien. Il y aura un futur pour le Bronlix. Bien sûr, vous le savez. Vous avez vu le futur. En 2038, il existe, il est là, il est présent. La version 5.0, messieurs, dames. Connor B. Parker 5000 dit l'ultime édition du Bronlix. Bien sûr qu'il y aura un futur pour tout ça. Bien sûr. Bravo. Et merci à toutes les personnes qui rejoignent la chaîne. Merci pour tous les follow. Le nom du jeu, bah, c'est Call of Duty, ça se voit. Arrêtez de demander. Vraiment, hein. C'est terrible! Ah, c'est marqué là aussi, hein, si jamais. Non, c'est chaud. Perso, je préfère les Arkham. Alors, c'est forcément des jeux qui sont comparés parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été reprises. C'est différent. C'est deux teams, les enfants. C'est DC versus Marvel. C'est le Bresson versus le coloré. C'est l'humour versus... Ouais, genre c'est sinistre, Batman, hein. Faut aimer, hein. C'est froid, c'est sanglant. Mais c'est stylé. Les deux se valent. En fait, c'est ça, le truc. C'est que Spider-Man... Il est arrivé comme étant le précurseur d'une nouvelle génération. Insomniac a fait un taf monstrueux, et encore plus apparemment avec Miles Morales. Maintenant, il manque qu'une chose. Ce studio a besoin de se trouver et de faire la différence. Il y aura de l'évolution à venir pour la licence, on l'espère dans le bon sens. Et puis, bah écoutez, si le travail est toujours aussi bien fait, nous on sera au rendez-vous pour la suite. Hein. Spider-Man 2, messieurs dames, prochainement sur PS5, on l'espère toujours en 4K ou en 60 FPS. On espère que la qualité sera au rendez-vous. Miles a été mordu, donc on sait qu'il va devenir l'héritage de l'arachnophobie verse. Je ne sais pas, mais c'est un peu stylé. C'était un peu stylé. J'ai bien aimé le scénario. Il y a aussi toute cette histoire autour de Norman, du bouffon vert. Qu'est-ce qu'il y avait dans la machine ? Qu'est-ce qu'il y avait dans la machine ? J'espère qu'on va avoir des réponses prochainement. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de follow. Merci aux personnes qui nous ont accompagnés pour ce grand final de ce scénar de base. Mais il nous reste des choses à voir. Restez connectés et prochainement, on se retrouve pour toujours plus de Spider-Verse, d'Arachnophobie. L'araignée sympa du ghetto revient pour de nouvelles aventures. Mahaha! Ah, c'est tellement stylé. Le nom du jeu, je l'ai dit, c'est Call of Duty Ghost. Spider-Man. Ah, c'est un peu cool. Les scènes post-crédit. Je suis pas expert en la matière, mais c'est peut-être ta façon de lui demander. Je crois que je suis trop nerveux. Bon, où est-ce que tu veux qu'on mette ça ? Ce serait très bien ici. Ok. Peter ? Ouais ? Je voudrais te parler d'un truc que je peux pas dire à ma mère. Je t'écoute. En fait... Je suis puceau ! Non, pardon. Il m'arrive des trucs bizarres. Ah bah oui, ah il découvre son corps. Alors, physiquement. Il va falloir qu'on parle de foutre du diable. Ah. Et des 28 coups. Oui. Après minuit. Eh bien, tu sais, tu arrives à un âge où ton corps commence à changer. Donc, c'est vraiment ça. Tu as remarqué que... Eh bien, par moi, tu... Pas ça. Je crois...
C'est dans le bas-ventre, il est enceint. Il est enceint. Je te montre. Ouais, il est enceint. Eh, hey, il va lui montrer son non, boule. Non. Tu trouves pas ça bizarre? MDR. Pas tant que ça. Le foutre du diable, messieurs dames. Bravo. Ah, oh, j'adore. J'espérais qu'il lui réponde directement et pas qu'on ait le droit à une coupure sèche. Ah, oh, c'était bien. Attendez, on coupe, je veux la deuxième scène. Oh oui, il va au labo. On va savoir ce qu'il y a dans le cocon. Il y a Harry dans le cocon, les enfants. Oh, c'est horrible. Non mais attendez, parce que du coup, pour la suite, ça veut dire Venom. Ça veut dire le bouffon vert. Ça veut dire, je sais pas. Peut-être l'homme sable. Ils sont en train de nous offrir une Spider-Man 3. Il nous faut une Spider-Man 3. On y était presque. Mais je n'abandonne pas. Je trouverai un remède. Je te le jure. Je t'aime, mon fils. Attendez, je suis perdu. En fait, c'est son fils, Venom. Le symbiote. Attends, quoi? Harry, c'est Venom? Quoi? Oh la vache. Le bouffon vert et Venom dans la même pièce. Bravo, vous avez terminé l'histoire principale, mais l'aventure continue. Vous pouvez désormais modifier l'heure de la journée dans les stations de recherche. Ok? Vous recommencez une nouvelle partie en difficulté ultime ou en New Game Plus. Je sais pas quoi vous dire. Victoire totale. Alors attendez, parce que du coup j'ai un nouveau costume. Réunissez toutes les missions principales et annexes. Terminez chaque quartier à 100% pour déverrouiller cette tenue. Il me manque le caleçon. Oh, les enfants, c'est pas une victoire totale encore. Hein. On est à 95%. Il me reste encore à faire les quelques crimes qui guettent Manhattan. Oh là 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 là. Et ce sera une victoire totale. Eh ben écoutez, il nous reste un épisode spécial avant les DLC. C'est celui des photos secrètes qui nous permettra de boucler l'ensemble, tout simplement. Et puis en plus, ça fera un petit peu de bonus pour cette aventure. Par la suite, eh bien, on enchaînera directement avec le premier DLC, Miaou, sur Black Cat. On poursuivra avec, j'ai envie de dire Gueule d'Argile, mais on va dire Frankenstein. Et le retour de Silver, je sais pas si je suis heureux. Est-ce que tu feras un jour les Arkham? Tous fait. Alors, tous fait, non. J'ai fait les trois jeux de base, donc j'ai fait Asylum, City et Night à 100% sur YouTube. On les a fait il y a quelques mois à peine, ils ont été rediffusés. Et Origin, je l'ai fait il y a très longtemps, mais j'aimerais beaucoup le refaire là prochainement. C'est juste que je galère à récupérer le jeu sur 360, parce que dans tous les magasins où je vais, ils ne le vendent pas ou ils ne le vendent plus. En démat, je peux pas le trouver, c'est une galère. Pourquoi la version 360? Parce que j'ai pas le PC idéal pour ça, et sur PS3, il est pas opti, donc c'est de la merde. Techniquement, cette aventure pourrait s'arrêter là. On va voir ce qu'on fait juste après. Je vois si on prend le temps de faire les 50 photos secrètes, histoire de conclure l'ensemble. Mais pour moi, c'est une victoire quasi totale. Merci de nous avoir accompagnés. J'espère qu'on se retrouvera prochainement YouTube pour les DLC, Twitch, TikTok. N'hésitez pas, rejoignez les liens qui vont bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très vite pour la suite sur Spider-Man. Allez, des bisous. Yahoo! Ah, c'est un peu cool.